Donc nous organisons cette rencontre dans le cadre des activités de l'Alliance, les économistes et cercles alliés. Et aujourd'hui, le but est de présenter à l'opinion publique à travers, bien sûr, les médias, notre contribution au grand débat que constituent les troisièmes assises nationales de la fiscalité. Cette participation découle de notre vision, telle que nous l'avons présentée dans le cadre de notre modèle égalitariste pour le développement humain durable, et dans lequel il y avait 6 mesures, 6 ruptures, sur lesquelles on reviendra très rapidement. Mais je peux vous dire que notre proposition aux organisateurs des assises s'est articulée autour de 2 piliers. Un pilier lié à la gouvernance du système fiscal et un pilier lié aux priorités de ce système fiscal. Donc nous avons mis l'accent en termes de gouvernance sur tout ce qui est simplicité ou simplification du système fiscal, sa proximité, son efficience et sa solidarité. Tout ce qui est axe prioritaire du système, nous considérons que le système doit donner la priorité au développement des régions, doit donner la priorité au développement du travail et de la production nationale. Et l'investissement qui est à l'origine de ce travail et de la production nationale doit donner la priorité aux spécificités des régions, doit donner la priorité au développement de la classe moyenne et au relèvement du pouvoir d'achat qui a été laminé, le pouvoir d'achat des citoyens dans leur globalité. Donc ces éléments-là donc, seront présentés devant vous et ont été également envoyés aussi bien aux organisateurs qu'au ministère des Finances.